Et salut tout le monde, c'est Léo, on se retrouve aujourd'hui sur Fallout 4, mais en solo comme d'habitude. Vu que c'est un jeu solo quand même. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tuto, mais comment très bien commencer une partie sur Fallout 4. La première vidéo, parce qu'après il y a un deuxième Si petit quelqu'un a truc. besoin d'aide, on s'en occupe. Si quelqu'un a besoin de baf, on s'en occupe aussi. Fastoche, non? Et voilà, aussi c'était. Ça c'est le premier truc, là je sais que mon perso. 46. Je vais bientôt me faire un deuxième personnage vu que en ce moment je n'ai plus rien à faire sur ce jeu. C'est que des quêtes répétitives qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent tout le temps. Donc je vais recommencer BO3. J'espère que vous êtes content. Que je vais reprendre BO3 et voilà. On va continuer avec glitch quand même. Alors, j'ai pas du tout expliqué. Putain, je suis vraiment con. Alors, comme je vais vous montrer, vous allez à Sanctuary Hill. Sanctuary, c'est plus facile à dire. À Sanctuary, vous allez vous retrouver vers les maisons là et vers là-bas. Je pense que vous voyez, je vais vous montrer tout de suite sur la carte. Vers là-bas, vers la décharge robotique, voilà, comme ça. Tout à côté, quoi. On peut dire ça comme ça. On se retrouve ici. On va continuer tout droit. Alors, vous allez voir comment c'est. Voilà. Là aussi, je vous ferai juste un deuxième tuto comment avoir une très bonne arme facile aussi. On peut l'avoir dès le début du jeu aussi, c'est une sorte de magnum. Bon, bref, ça va me faire une vidéo. Donc là, on va se retrouver ici. Déjà, on peut voir un petit ponton. On va essayer de monter dessus. Et il faut trouver un. Ferme tout gueule, toi. Ça, il est où? Mais casse-toi! Et en un coup de croche, je suis sûr. Voilà, ferme tout gueule un peu. Voilà. Ça. Alors, on va continuer là. Et regardez, comme on peut voir ici, on voit une sorte de récepteur. On peut appeler ça comme ça. Et ça fait même un peu de bruit. Alors. Voilà, maintenant on va suivre le petit tuyau qui monte, qui monte, qui monte. Tac. Et normalement il y a quelques pierres. Là il n'y en a pas. Et là on va ouvrir et là, des capsules. Quand on commence une partie, franchement ça c'est super. Quelques capsules. Quelques munitions. Et le magnum. Franchement, cette arme dès le début du jeu est vraiment mais super. Tu peux vraiment commencer une Vous allez super nous bonne game. ralentir à force de ramasser tout. Regardez, quand vous commencez une game, normalement vous avez des petites armes et tout et tout et tout. Et là, on a un magnum avec 86. Moi j'ai amélioré la compétence au maximum. 86 de dégâts. Par contre, les balles de magnum, c'est pas très. Enfin voilà, tu n'en trouves pas de ça à chaque coin de rue. Et voilà, ça peut être super bien. Alors La là, je suis déjà saleté qui super lourd. traîne. Bon. Faut-il le passer? C'est quoi ça? Casse-toi! Putain, ils font peur. On va prendre les viandes. Parce que les viandes, en fait, on peut faire de la. Si vous avez un poste de cuisine, vous pouvez faire de la bouffe et tout. Alors, là, il y a déjà des radoués. Des radoués et des radix. Pour survivre. Déjà, on commence très bien. Hein. On a des boîtes d'épingles. Comme ça, vous commencez une game. Mais super bien stuffé, franchement. Très bien stuffé au niveau armes et tout. Et puis voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour vous montrer comment très bien commencer une partie hashtag 1, épisode 1. Parce que l'épisode 2 va arriver dans les jours qui suivent. Faut vous montrer comment bien commencer une partie hashtag 2. Et après, voilà. Ça, vous saurez comment très bien commencer une partie sans complication. Bon, allez, bye tout le monde et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.